L'histoire de fermeture éclair. Je sais bien qu'il n'y a pas que panique dans la vie. Je ne suis tout de même pas un ivrogne. La preuve, c'est qu'il m'arrive de passer des mois sans y mettre les pieds. Disons, des semaines. Après une de ces périodes d'abstinence, je me pointais au comptoir un lundi sur le coup de midi, avec un teint de bébé et des yeux cerclés d'un rouge moins saignant que d'habitude. Pas la moindre figure connue dans les environs. Alors, pour passer le temps, j'engageais la conversation avec un petit vieux propre en train de se poivrer tranquillement contre le mur vers la porte. Il ne se fit pas prier pour me raconter l'histoire suivante. À la mort de sa femme, le type dont je vous parle, fermeture éclair, est devenu complètement cinglé. D'abord, il a continué à vivre comme si elle était toujours là. Son couvert à table, ses affaires dans la salle de bain, ses bigoutis sur la table de nuit. Ils passaient et repassaient leurs films de vacances en les commentant comme si elle était assise à côté de lui. La nuit, il dormait avec sa chemise de nuit roulée en boule sur son cœur. Fermeture éclair tenait une petite épicerie, mais comme il n'avait plus le cœur à réapprovisionner le stock, à se lever à 5 heures pour aller au hall, il a bientôt perdu ses derniers clients, parce qu'il faut dire que tout ce qu'il avait en magasin était pourri et grouillait de verre. Il a fermé la boutique et il n'a plus rien fait d'autre que de se traîner d'une chambre à l'autre dans l'appartement situé juste au-dessus. Bon, il ne faisait de mal à personne, et si ça l'amusait de renifler les vieux peignes et les culottes sales de sa défunte épouse, après tout, c'était son affaire. Mais un jour, voilà sa belle-sœur qui débarque de Nantes. Oui, la sœur jumelle de sa femme, une fille nommée Petit Bisou, qui s'était mis dans la tête de jouer la comédie et de devenir une star de cinéma. Elle ressemblait comme deux gouttes de lait à sa sœur, au physique. Mais au moral, c'était le jour et la nuit. Autant la femme de fermeture éclair avait été sage comme une image, sérieuse et bon genre, autant Petit Bisou semblait avoir le diable dans la peau. Fermeture éclair ne peut refuser de l'héberger, car elle n'a pas un rond, mais il ronge son frein. Ça lui fait mal de voir Petit Bisou lui abîmer le souvenir de la chère disparue. Et quand il a le malheur de la rappeler à un peu de décence, elle se fiche carrément de lui. Mieux, elle prend plaisir à l'asticoter. Elle se balade dans la maison en petite culotte et en soutien-gorge. Elle laisse le rideau de la douche ouvert, bref, elle s'amuse à le rendre marteau. Il faut dire que Petit Bisou s'y entend pour mener les hommes par le bout du nez. Ainsi, elle fait marcher un malheureux représentant en moutarde, bien bonne. Un jeune type timide, amoureux d'elle, à en perdre la boule. Elle lui fixe des rendez-vous où elle ne va pas et l'engueule après sous prétexte qu'il n'est pas venu. Ensuite, elle raconte le tout à fermeture éclair en se tapant sur les cuisses, tellement ça la fait rioler. « C'est le diable en personne !» se dit fermeture éclair. « Est-ce qu'elle ne va pas jusqu'à présenter que, derrière son air de sainte titouche, sa sœur était une belle salope ?»« Elle était comme moi. Elle avait le feu au cul. Comme moi. Je vais te montrer comment il faut s'y prendre avec des filles comme nous. » Et là-dessus, voilà qu'elle se précipite sur fermeture éclair, les mains tendues vers son pantalon. Le malheureux fermeture éclair a beau protester, se débattre, sa belle-sœur le viole quasiment sur le lit conjugal, en chuchotant des trucs comme... Alors, elle te faisait bander comme ça, ma petite sœur, ou bien elle s'y prenait autrement? Avec qui c'est meilleur? Avec elle ou avec moi? Fermeture éclair subit passivement l'assaut, les yeux remplis de larmes. Mais dans la nuit, il décide que ça ne peut plus durer. La profanatrice doit être punie. Il ne fait ni une ni deux. Il endosse une robe de sa femme, met des bas, des hauts talons, et armé d'un grand couteau de cuisine, il se rend dans la chambre de Petit Bisou, qu'il saigne comme un cochon. Justice est faite, selon lui. Il cale le corps sur son épaule et va l'enterrer sous un tas de charbon à la cave. Ensuite, il nettoie le sang, prend une bonne douche, ni vu, ni connu. Quand le pauvre bien-bonne vient chercher Petit Bisou pour l'emmener au cinéma, quelques jours plus tard, fermeture éclair lui dit qu'elle est repartie à Nantes avec un type et qu'elle ne reviendra pas. Bien-bonne a l'habitude d'être traitée comme de la merde par Petit Bisou, alors ça ne l'étonne pas trop. Seulement, il a de la peine, au point que fermeture éclair le prend en pitié. Après tout, Bienbonne est une victime de Petit Bisou. Et puis, il est un peu veuf, comme lui, même s'il ne le sait pas. Pour moi, la vie n'a plus de sens, se lamente Bienbonne. Je vais me suicider. Fermeture éclair s'échine à lui remonter le moral, et même, il lui propose de venir habiter avec lui, dans l'appartement au-dessus de l'épicerie. Vous me parlerez d'elle, et moi je vous parlerai de ma femme. Ça nous aidera à vivre. Bienbonne accepte. Ça fait un petit couple qui s'entend à merveille. Bienbonne est actif, il fait le ménage, la cuisine. Il jette toutes les saloperies qui s'entassent dans la boutique, il repeint, il passe des commandes. La vie redevient ce qu'elle était du temps où la femme de fermeture éclair n'habitait pas au cimetière. Un an plus tard, juste pour l'anniversaire de son installation, Bienbonne prépare une surprise à fermeture éclair. Quand celui-ci remonte de la boutique, après la fermeture, il le découvre en grande toilette, revêtu des affaires du dimanche de l'épicière, qui lui vont comme un gant.
D'abord, Fermeture Éclair n'apprécie pas la plaisanterie. Et puis, l'intention de Bienbonne finit par l'émouvoir. Il lui pardonne. Après le petit gueuleton confectionné par Bienbonne, ils dansent, enlacés comme des amoureux sur leur disque mascotte. Stranger in the Night. Ils débouchent une bouteille de mousseux, une deuxième. Fermeture Éclair n'a plus toute sa tête à lui, si bien qu'il lui prend la fantaisie de raconter à Bienbonne la vérité sur Petit Bisou. Ce n'était pas une fille pour toi, cette pute. D'ailleurs, je peux bien te l'avouer maintenant, elle ne s'est pas tirée avec un type. Non, je lui ai réglé son compte. Elle est dans la cave, en bas, sous le tas de charbon. Bienbonne est dessoulée d'un coup. Il s'enfuit dans la chambre, poursuivi par Fermeture Éclair titubant sur ses guibolles. Toute la nuit, l'épicier parle derrière la porte verrouillée de Bienbonne. Sans succès. Alors, aux premières lueurs du jour, Fermeture Éclair se décide à enfoncer la porte. Il trouve Bienbonne, toujours déguisée en bonne femme, pendue à une poutre et lui tirant la langue. Mais il lui répond par un pied de nez. « Bien fait pour toi, tu n'avais pas besoin de mettre des vêtements de ma femme, ça t'apprendra !» Il décroche le corps et, sans se presser, sans s'affoler, il le descend à la cave pour l'enfouir dans le tas de charbon près de Petit Bisou. Quand il en a terminé, il prend une bonne douche et s'en va faire un petit tour au cimetière. C'est là que les flics sont venus le cueillir. Parce qu'un sale môme de 8 ans avait tout vu du dernier étage d'un immeuble voisin, grâce à la paire de jumelles de son père, officier de marine. Il n'y a plus d'intimité possible à notre époque. Vous savez ce que mon petit-fils m'a demandé hier soir? Non? Grand-père, les épiciers ont-ils un cœur?